من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على أفضل الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شفر الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercions Allah infiniment pour la bénédiction de Allah sur les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité dans nos propos, dans nos actes, que Allah nous fait des bons musulmans. Que les jours que nous serons appelés par Allah de mourir, qu'Allah nous fait mourir, nous sommes des musulmans soumis. C'est ça que le conseil de tous les premiers messagers jusqu'à dernier. Le conseil, les prophètes, ils ont conseillé leurs descendants. Allah dit Wasla biha Ibrahim Banihi. Ya Baniya, inna Allah astafa lakum muddi. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqub aussi, iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'budun min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Alladhi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah donne cette chance de mourir, nous sommes des musulmans. Le thème d'aujourd'hui que nous allons parler, si le temps nous permet, on peut finir. Si on ne finit pas, nous allons parler de la moitié. Il y a certains, je les surnommer Al-Anwa'i. Le nom de cet terme, j'ai appelé ça Al-Majalis. Lieu d'assise, là où le musulman doit s'asseoir. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a fait quelqu'un musulman, tu es respecté auprès d'Allah. Même les anges te respectent. Et maintenant, il faut toi, tu vas te respecter comme Allah t'a respecté. Musulman ne mange pas n'importe comment. Il ne boit pas n'importe comment. Musulman, bon musulman, ne s'habille pas n'importe comment. Musulman ne parle pas n'importe comment. C'est comme ça, musulman ne regarde pas n'importe comment. Et musulman ne s'assoit pas n'importe où. Limaza, le prophète a dit Al-Muslimuna ala shuruti. Les musulmans, nous sommes dans notre shurut, notre loi. C'est notre loi qui nous commande. Ça veut dire ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé au prophète Ibrahim. Il se colle là au rabbu Aslim. Le moment que Allah dit au prophète Ibrahim, soumis-toi à moi. Colle Aslam pour le Rabbil Alamin. Il dit, je me suis soumis tout à Allah, le Seigneur de l'univers. Ce moment, tu n'as pas aucun choix, c'est Allah qui va te commander. Ce moment, tu n'as pas aucun vouloir, c'est Allah qui va te dire, fais ça. Ce moment, tu n'as pas le droit de faire aucun acte. Tu regardes seulement, c'est Allah qui dit, fais, tu fais, laisse, tu laisses. C'est ça qu'elle dit, Aslam, tu ne vas pas aller.
C'est ça qu'on appelle l'islam, soumission totale. On nous dit, les assises, si les musulmans s'assoient les lieux qui sont bons, cela t'empêche, tu ne vas pas pécher, faire le péché, c'est-à-dire désobéir à Allah. Et ça aide ta vie. Et ça te amène le bonheur et ça te pousse le mal. C'est tout. Al-Kasrat al-Majah al-Sou al-Sou'ar. Quand tu s'assois avec les bons gens, les gens qui ont les bonnes idées, les gens qui sont, qui connaissent ce qu'ils font, les gens qui ont la crainte d'Allah, les gens qui n'ont pas l'amour de Dieu. Quand tu s'assois avec eux, on dit à chaque moment, Antafrahi, tu es là le bonheur. C'est un peu de ça, les Arabes, ils disent. En Mar'i, là, t'as ça. Quand tu vois quelqu'un, il ne faut pas demander, mais lui-là, il a quel comportement? Il est comment? Les Arabes, ils disent, en il Mar'i, là, t'as ça. Was'al an Qareeb. Si tu vois quelqu'un, ne demande pas qu'il est comment. Il faut regarder son proche. Il fréquente qui? Il marche avec qui? Il sort avec qui? Parce que l'homme est à chaque moment, il prend les comportements avec les gens qu'il a avec lui. Quand il reste avec les bons gens, même si tu es mauvais, leur bonheur là, un jour ça va te toucher, Inch'Allah. Allez lire le Coran dans les Sourates al-Kahfi. Vous allez voir les chiens que les musulmans ne mangent pas. C'est haram. Même si on a attrapé les chiens, on l'a écorché avec Bismillah et Wallahu Akbar, on ne mange pas. Mais Allah félicite les chiens dans le Coran. Pourquoi le nom des chiens venu dans le Coran? Parce que les chiens étaient avec les bons gens. Allah dit wa kalbuhum basitun zira'i bil wahid. Law ittalata 'alayhim law walaytum minhu wa law walaytum 'alayhim al fara wa law muli'at minkum ar-ruba. Les gens des Kafar, Ashab al-Kaf, ils sont sortis, les chiens les ont accompagnés, Allah félicite les chiens avec les gens des Kafar. C'est comme ça, quand tu es avec les bons gens, ça va t'aider beaucoup. Parce que de rester avec les gens, ça infecte, Iwani, Wallahi. Faut pas dire ça ne fait rien, c'est faux. Pour Allah, ça fait quelque chose. Ton prophète, il dit ça fait quelque chose dans ta vie. Quand tu vas nier le Coran, quand tu vas nier la parole du prophète Mohammed, là tu es foutu. Et là, tu vois, quand tu es dans un peuple ou dans un quartier ou dans une nationalité, et là, tu vas voir, prends les bons gens comme des amis. Ne prends pas les mauvais comme des amis. Tu es venu rester dans une nationalité, dans une communauté, mais tu n'es pas d'eux. Et Allah t'a fait que c'est avec eux que tu vas rester. Dans tout chose, il y a les bons et il y a les mauvais. Cherche à connaître ceux qui sont bons, ils sont tes amis, tes partisans. Faut pas rester avec ceux qui sont mauvais. Comme l'Ahlul Ilm, les savants, les connaisseurs nous disent, Assobatul Hamsotul Hisar. Il a dit l'amitié, il y a cinq conditions. Avant que tu restes quelqu'un, ou tu lui prends comme voilà mon ami, ou chaque jour on te voit, tu es assis à son côté, il faut regarder sur lui. S'il y a cinq comportements, là tu peux rester avec lui. Oui, là il faut méfier. Premièrement, il dit Ayakuna Akila. Donc tu vas rester à son côté. Il faut que c'est l'homme qui est conscient. Il n'est pas fou, il est normal. Parce que quand tu restes à côté des fous, tu es dans l'insécurité. Tout peut aller. Là, il faut que tu restes avec quelqu'un à qui est. L'homme qui est conscient, il est normal. Il se respecte. Deuxième, il faut rester avec l'homme qui a les bons comportements. Quelqu'un qui a le bon comportement, toi aussi, c'est le bon comportement qui va te recommander. Il n'était jamais recommandé d'aller tuer. Il n'était jamais recommandé d'aller voler ou aller forniquer. Là,
Parce que quand il a les bons comportements, toi aussi c'est les bons comportements qu'il va t'enseigner. Troisième, on a dit qu'il est facile. Faut pas s'asseoir avec l'homme qui est facile. Faut pas que celui que tu s'assois avec lui, il n'est pas facile. Facile, l'homme qui désire les femmes au roux. Il n'y a pas la femme de quelqu'un. Il n'y a pas la vie des quartiers, il n'y a pas que ces mécréants, il n'y a pas que n'importe quelle femme libre est tombée là-dessus. Pourquoi facile? Ce n'est pas un bon ami. Un jour, sa maladie là va te contaminer. Troisième, il a dit, voilà, montade, il ne faut pas prendre l'amitié l'homme des médias. Un jour, il va te tirer dans les médias. Médias, ce n'est pas bon travail. Un homme de Bidia, c'est comme il a en train de dire le prophète que tu es menteur. Un homme de Bidia, c'est comme il dit le prophète que le message qu'on t'a donné, tu n'es pas transmettre. Tu as trahi. Un homme de Bidia, c'est un ami déclaré des prophètes, Mohammed. Il ne faut pas rester avec lui. Ne lui prends pas comme l'amitié. Cinquième, il dit. Voilà, Haris à la douille. Faut pas rester, ne prends pas l'amitié, reste avec quelqu'un. Tout son désir, c'est la vie des douille. Mais il ne pense pas d'au-delà. Quand tu restes avec lui, il te dit, tu as changé une voiture. Quand tu es avec lui, tu as dit, tu as construit une nouvelle maison. Quand tu es avec lui, il pense seulement que tout n'y a pas. L'homme qui a les cinq comportements, faut pas rester avec lui. Écoutez ce que Allah dit. Allah dit fa'arid amman tawalla an zikrina. Toi prophète Mohammed, tourne au dos à celui qui a laissé notre rappel. Dis à les musulmans croyants pratiquants de tourner au dos à ceux qui ont laissé le rappel de Allah. Fa'arid amman tawalla an zikrina. Tourne au dos, tu le laisses. Celui qui s'en fout de notre rappel. On fait la prière, il n'assiste pas. On fait les pêches, il n'assiste pas. Là où on fait le bonheur, il n'assiste pas. Zikrina Allah, il faut tourner au dos, laisse la personne. Allah dit, si tu as fait, tu as vu l'homme, il s'en fout avec les rappels d'Allah, son problème la voici. Allah dit, voilà, il ne désire rien. Il la hayat dunya. C'est la vie de dunya qui est son désir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, l'homme comme ça ne lui prend pas la mine, ne reste pas avec lui. L'homme qui s'en fout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne la compréhension de notre islam. Amen. Dans le kitab al-Ahadori, cet livre, je lance des filles à chaque moment dans mes prêches. Aujourd'hui, il y a beaucoup, nous les élèves, on regarde seulement quand nous, on ne regarde pas en bas. Tu vas voir les gens, quand on parle des filles qui vont dans le bas, ils ne connaissent rien dedans. Tu vas voir quelqu'un qui dit, Oustaz, tu l'amènes que ta bagarre, il ne peut pas t'enseigner. Tu l'amènes ici, il ne peut pas t'enseigner. Rissa, il ne peut pas t'enseigner. Ismaou, il ne peut pas t'enseigner. Ah, on ne disait rien. C'est rien comment. On ne va jamais construire une maison d'aller sans fondation. Dans le kitab Ahadori, Oustaz a commencé à dire Awwal ma yajib 'ala al-mukallif tasihihu al-iman thumma ma'rufatu ma yusliku bihi fardu 'ayni kas-salat was-siyam wa min ashbah dhalik. C'est comme ça il a dit. Il a en de parler de la première chose qui est obligatoire sur Al-Mukallif. Sur le Mukallif, l'homme qui est déjà adulte. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le dunya et on ne décrit pas les péchés. Ils n'ont pas le péché. Il faut qu'on connaisse ça. Premièrement, un enfant qui n'est pas encore grand, il n'a pas le péché. Ça veut dire ça, quand tu es imam, un enfant est mort. On ne prie pas sur l'idée Allah ou l'homme. Il n'a pas aucun péché. Tu vas prier que Allah augmente la récompense de ses parents. Mais l'enfant n'est pas aucun péché. C'est comme ça le prophète a dit. Un enfant, tant qu'il n'est pas encore adulte, il n'a pas le péché. Ça, c'est un. Deuxième personne, l'homme qui dort, Anaïm.
Le prophète a dit, Ruth a calé un salaire à ses premiers enfants, deuxième l'homme qui dort. Quand tu es dans les sommeils, tout ce que tu vas faire, tu n'es pas le péché. Tu es dans les sommeils, tu as réveillé que tu es en train de faire signe avec une femme. Quand tu as réveillé, si tu as vu que l'heure sortie va laver de la main, mais tu n'as pas aucun péché. Tu es dans les sommeils, tu as réveillé que tu as volé le banc des dragons, or que tu n'as rien. Tu es pauvre. Tu réveilles, tu n'as pas aucun péché. Va seulement que tu es là, tu n'as rien. Dans les sommeils, tout ce qui est arrivé, il n'y a pas péché. Quand là, nous partons. Amen. Troisième, Walmadjibou, un fou. Un fou n'est pas de péché. Même si quelqu'un est musulman, il est fou, il est devenu fou. Un musulman ne mange pas mouche. Mais s'il est devenu fou, il a vu Kabir qui est mort, il a pris rien à manger. Il n'a pas aucun péché. Qu'Allah nous pardonne. Voilà les trois personnes. Ça veut dire ça, le moment qu'on a commencé à écrire péché de quelqu'un, c'est quand il devient adulte. C'est ça qu'on t'appelle mon calif. Elle a dit, awwal, première chose qui est obligatoire sur quelqu'un qui est adulte, c'est où il imane. Il faut arrêter ta foi en tant que Allah. C'est ça qu'on veut. Dès que tu deviens adulte, il faut arranger ta foi entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, sur mon maruf, après tu cherches la connaissance. Quand tu deviens adulte, il faut chercher la connaissance. Je dois voir les musulmans qui sont là, ils s'en foutent avec la connaissance. Non! Il faut chercher la connaissance, connaître les surat al-Fatiha. Bon. Et un peu surat qui te permet d'adorer Allah avec des askar, avec des adwa. Masha'Allah. Parce que les livres que nous, qui nous guident, c'est descendant dans un langue, ce n'est pas la langue de nous. Quran arabe, gayrazi iwachi. Quran, c'est la langue arabe. Obligatoirement, pour pouvoir lire le Quran, tu es condamné d'apprendre Allah et P. De connaître Alifu. Ba'un, Ta'un. De connaître Alifu Fata'a. Alifu Dhamma, Alifu Kasra. Alifu Fata'atei, Alifu Kasra. Dei, Alifu Dhamma, Alifu Maddawa. Tout ça, là, de connaître. Ça, c'est l'arabe que l'imam Shafi'a dit wajib. À la boule des musulmans. Dans les Ahadori, vous savez parler comme ça. Jusqu'à il est arrivé, il a dit Wala yakil lulahu. Ce n'est pas permis à un musulman adulte. Sohubat al-Fasik, de prendre un Fasik comme un ami. L'homme que tu connais, c'est Fasik. Je vous ai déjà expliqué Fasik. Et il ce n'est pas autorisé que tu les prends un ami. Un homme facile, ce n'est pas bon, toi, donc tu les prends ami. Et une femme, si tu as vu une soeur camarade, elle est facile, toi, la femme, ce n'est pas bon que tu la prends comme une amie. C'est interdit. Voilà, Moudjala, Satahu. On dit même pas s'asseoir avec lui, ce n'est pas autorisé. Bégaye le Doroul, mais tu peux s'asseoir avec lui s'il y a Doroul, obligatoirement. Peut-être que tu es assis avec lui. Tu es en train de lui prêcher ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon, il n'est qu'à laisser là, il n'y a pas de problème. Ou ça, certains de l'heure qui est venu, on te voit avec lui. Mais de s'asseoir avec lui en tant qu'un ami, il n'est pas la mission, il ne faut pas les prendre comme d'amis. Imam Ibn Hibban, Rahimahullah, il a dit Al-Aqil, l'homme qui est normal, conscient, la douceur qui est échorale, il ne prend pas l'ami, le mauvais ami. L'homme qui est conscient, s'il ne prend pas un ami, il cherche un bon ami. Et il ne prend pas un mauvais ami. Dans notre vie, il y a des exemples qu'on peut montrer. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, tu trouves l'argent, tu pars payer la voiture. On te dit, tu as mis la voiture là, ça consomme beaucoup d'essence, mais lui-là, il consomme moins. Laquelle tu vas payer? Celle qui ne consomme pas. Celle qui consomme, il est en mauvais état. Il est devenu mauvais, on ne le prend pas comme l'ami. Même pour marier la femme, l'islam a dit il faut chercher de gagner bonne femme. Il ne faut pas prendre mauvaise femme. C'est comme ça, quand la femme aussi va marier un homme, l'islam a autorisé la femme, c'est son droit de regarder un bon homme. L'amitié aussi, c'est comme ça. Imam Ibn Hibban, il a dit à l'Aqil, l'homme qui est normal, l'homme qui est malin, il ne prend pas un mauvais ami. Il a dit, il y a un souhbat à soi qui est sous qit'at minan nar.
Et il a dit, quand tu prends un mauvais ami, il a dit, c'est quand tu es dans le feu. Le feu était brûlé n'importe où. Dans les sols autour à Nissa. Allah dit, voilà, Tarkam et les Nazine Zona. Ne restez pas avec les gens qui sont les Azola, mauvais gens. Ceux qui ont provoqué Allah. La Tarkam Aïla Tuja Ali Soma Aru. Voilà Musharakatu Gonfi Afwaiki. Ne s'assois pas avec eux. N'associez pas dans leur action. Allah Soma refusant de rester avec Allah dit Fatama Sakumuna. Allah dit le fait que Allah va vous en prendre toujours. Voilà là où notre frère est. Il va voir un bon musulman, pratiquant. Mais à côté d'ici, là, c'est notre faiblesse. C'est au niveau de leurs enfants. Il voit son enfant, garçon, il marche avec les bandits, il ne dit rien. Il voit sa fille, elle sort avec les mauvaises copines, il ne dit rien. Tu as vu ça, là, ça va infecter tes enfants et ça va contaminer ta maison. Pourquoi ça va contaminer ta maison? Admettons, ta fille marche avec les mauvais camarades, tu ne dis rien. Elle va sortir dehors, celle qui lisait le Coran, celle qui portait le hijab. Un moment va arriver, elle n'a pas le temps de lire le Coran. Un moment va arriver, elle commence à porter les pantalons. Un moment va arriver, elle va sortir avec les garçons détruits. Maintenant, ça commence à contaminer ta maison jusqu'à un jour, elle t'amène la procession dehors. Ce moment-là, ça contamine ta maison. L'amitié, ça gaspille. L'amitié, ça arrange. Si l'amitié est bonne, ça arrange. Si l'amitié est mauvaise, ça gaspille. Notre prophète Mohammed, il a donné image de l'amitié dans le Sahih Muslim. Tout connaisseur qui connaît le Hadith, quand il parle de l'amitié, il va parler ça. Habibi. Sayyidi, Fidaka Ami wa Ulia Rasulallah. Le prophète il dit, exemple de quelqu'un qui prend mauvais, un homme mauvais comme ami. Exemple de quelqu'un qui prend l'homme bon comme ami. Le prophète a dit leur exemple, c'est comme un vendeur de parfum, un forgeron. Le prophète a dit celui que son ami est forgeron. Et celui que son ami est vendeur de parfums. C'est comme tu as pris mon ami. Il a dit, quand tu parles ça à son côté, ou soit tu payes le parfum, ou soit tu ne payes pas, mais le odeur de ça va te toucher. Dis qu'il sent bon. Inch'Allah. Tu as dit, quand tu es avec un bon ami, il va t'apprendre beaucoup de bonnes choses. Ou soit il ne t'apprend pas, mais tu vois son image, tu vas essayer de lui copier dans les bons anciens. Combien de gens qui sont devenus oustas, ils sont devenus les gens bien parce qu'ils marchent avec les bons gens. Ici, Libreville, ici au Gabon. Grâce à bonne amitié, certains sont devenus des bons gens. Aujourd'hui, on les appelle oustas, oustas, oustas. Alhamdulillah. Tu as vu? L'odeur des parfums t'a touché. Le prophète a dit celui qui a pris mauvais ami. Il a dit son exemple, c'est comme quelqu'un qui est parti laisser à côté d'un forgeron. Vous savez, il travaille avec le feu. Chez nous, quand vous voyez les forgerons, il y a on siffle le feu comme ça. Tout le feu, ça saute. On dit si ton ami est forgeron, tu es parti s'asseoir avec le haut comme ça. Il est en train de travailler le feu. L'effet qui saute là, ça va gaspiller ton eau. On dit si ce n'est pas brûler ton eau, mais tu vas quitter là-bas, tu as le mauvais odeur. L'odeur de quoi? Fini. C'est comme ça quand tu restes avec les mauvais gens. Ton ami, c'est l'homme qui boit 33. Regarde. Tu restes à son côté. Tu dis ça ne fait rien. C'est fini. On va attendre le modèle de ça sur ton corps.
Un jour, tu n'es pas loin, tu dis, bon, je vais essayer de goûter par 5 ans. Un jour, tu deviens un consommateur de l'alcool. Cela a attrapé beaucoup de gens. Aujourd'hui, combien de gens qui sont devenus les gens qui boivent l'alcool? Parce qu'ils marchent les gens, ils marchent avec les amis qui boivent l'alcool. Certains, ils filent les chambres. Parce qu'ils marchent avec les parties qui filent les chambres. Certains sont devenus professionnels de draguer les femmes. Parce qu'ils marchent avec les gens qui draguent les femmes. Certains sont devenus des voleurs. Certains sont devenus des tueurs. Certains sont devenus comme ils sont. Parce qu'ils ont marché avec les mauvais gens. Le prophète Mohammed, il a dit, Mantashabaha Bekaoui, Fabou Amin. Quand tu prends l'image des gens, tu seras compris. On nous dit, Inna sa'adatul mar'i al-hisal arba. On dit, la chance de l'homme est dans les quatre choses. Car l'homme dans les quatre choses. Et là, dit, Ayyakuna zaujatahu muwafiqatan. Si Allah veut te donner la chance, il te donne une femme qui corresponde à ta vie. Allah te donne bonne femme. Quand il dit, madame, laisse, elle laisse. Madame fait, elle fait. Madame ne sort pas, elle reste. Allah donne les femmes comme ça. Amen. Le prophète a dit, Al-mar'at as-saliha. Le prophète a dit bon femme. Bon femme, elle n'est pas dit belle femme. Ne change pas les propos. Bon femme, on a dit. مرأة صالحة ليس مرأة جميلة لا إنما قال المرأة صالحة إن فهم بون فهم إلا دي هي التي إذا أمرتها أطاعتك بون فهم سي إل كان تي دي في إل في لس إل لس على فهم بون فهم كونسا كان لا تي دون لا فهم كونسا تي نبا بروبليم Le prophète a dit bon femme, c'est celle quand à chaque moment, quand tu viens, tu vois ta femme, elle t'intéresse, tu as envie de tomber sur elle. À chaque moment, elle sait que l'air à mon mari va venir, elle s'arrange le corps, elle va parfumer son corps, elle ne reste jamais salité. Tu n'attends aucun mauvais odeur sur ta femme. Alhamdulillah. Aujourd'hui, certains hommes qui sont devenus les bandits, ils font les zina. Le problème, c'est les femmes. La femme ne sait pas comment encadrer son mari. Imaginez, tu as une femme qui ne se lave pas. Tu as une femme qui ne arrange pas son corps. À chaque moment, elle sent mauvais. Si un jour, tu es sorti au dehors, je ne suis pas là pour faire. Si une jeune fille petite, 15 ans, elle t'a bibé, tu vas répondre, bien, tu ne réponds pas. Certains sont plus dans les taxis. Il attend l'odeur d'une femme. Aujourd'hui, les femmes qui utilisent les parfums là. Tu attends, il commence à dire, ah, mademoiselle, tu sens bien. Il dit merci. Tu as vu, ça commence par là. Parce qu'il n'a jamais attendu bon odeur sur sa femme. Madame, elle est là, manger, dormir, regarder les guillots de chez nous, sale. Non, ça, c'est pas notre histoire. Ça veut dire ça, le prophète a dit, si Allah vient de toi le bonheur de Dunya, il te donne une femme qui te correspond. À chaque moment, son souci, comment je vais faire pour garder mon mari? Allah donne les femmes comme ça. Deuxième, il a dit, wawaladuhu abora. Et Allah, il te donne les enfants qui sont abora. Et n'al abora vini. Allah, il te donne les enfants Abraham, les enfants qui obéissent les parents. Un enfant qui a pitié de son père. Un enfant qui respecte son père. Un enfant qui connaît l'honneur de son père. Allah, faites-nous comme ça avec nos papas. Et faites nos enfants comme ça, ils vont nous faire aussi comme ça. Le prophète a dit, Biro Abba Akum. Imam Ali, Imam Shafi, il a dit, Biro Abba Akum. Tabarro Abna Akum. Il a dit obéir vos papas. Si tu obéis ton père, Allah va laisser ton enfant s'il va t'obéir. Mais si tu insultes ton père,
Tu iras ton père. Faut pas être pressé. Attends. Comment t'as dit? Sauf Allahu Ghafur. Elle a dit, la chance est dans les quatre choses. Premièrement, bon enfant. Deuxième, de trouver les enfants vertueux. Troisième, il a dit, wa alihi as-salihi. De trouver les amis vertueux. Tu as des bons amis. Alhamdulillah. Quand on te voit à chaque moment, tes amis, c'est les gens qui sont bons. Alhamdulillah. Tu ne vas jamais dérailler. Alors donne-nous bons amis. Quatrième, et il a dit, Waïe, Yakuna, Rizikou, Fi, Baladi. Si Allah, il veut de toi la chance de Dunia, il te donne la richesse dans ton pays. Tu deviens riche, c'est toi, c'est pas dans l'étranger. De trouver l'argent étranger, c'est bon. Mais si tu as trouvé ça dans ton pays natal, c'est plus meilleur. N'importe comment on dit quelqu'un, il est riche, il est riche. C'est bon. Mais si dans ton pays, tu es riche, alhamdulillah. Mon frère, chez toi, c'est chez toi. Étranger aussi, c'est étranger. Faut qu'on connaisse ça. Les Africains ont les mots qui disent. Ils disent n'importe comment l'arbre est tiré dans la mer, ne va être jamais caïman. Tu peux rester combien de temps étranger, tu es toujours. Mais chez toi, c'est chez toi. Si d'être. D'être citoyen, si ce n'est pas quelque chose, Allah ne devait pas parler ça sur le prophète Mohammed. Il a dit là, au costume de Hazan Balad. Après, il a dit, wa anta hinnu. Il dit, toi, prophète, tu es citoyen de la Mecque. La citoyenneté, ce n'est pas petit affaire. Ça veut dire ça, n'importe comment on est traité, ne fais pas. On fait les enfants, ne fais pas oublier nos enfants dans leur pays natal. Enseignez-les notre comportement. Enseigner de connaître notre langue, de connaître notre culture, de connaître qui nous sommes. On est de l'homme, c'est quand tu connais chez toi. La richesse que tu as gagnée ça dans ton pays, on dit c'est ça qui est primaire. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui n'arrive pas dans l'étranger? Dans l'étranger, un policier t'attrape et prend ton bien, il te gifle, il te dit merci. Ça arrive bien, ça n'arrive pas. Il a pris ton bien, il t'a giflé, tu lui dis encore merci, chef. Est-ce que chez toi, là, ça va passer comme ça? Chez toi, ça va passer comme ça. Qui va oser même? Impossible. Vous êtes d'accord avec moi? On dit ça, c'est la chance de tout dire. Allah facilite. Nous sommes dans l'amitié, chers frères. On dit là, tout ça qui pour nous, ne prend pas l'amitié parmi les gens. Avant de prendre l'amitié, il faut regarder. Il a dit, il n'a manié que tout se braque. Celui qui sera ton ami, c'est celui qui peut garder ton secret. Quand tu l'as confié, dit ça, c'est mon secret. Il y a que tout le monde. Et comme ça, il ne va jamais dévoiler ça à quelqu'un. Il dit, c'est l'homme comme ça qu'on comprend la vie. Voyez sur un ibaka, quand il voit ton défaut, il ferme, il cache. Il ne va jamais dire quelqu'un. C'est lui qui a mis. Avant de prendre l'amitié, l'ami c'est l'homme qui est contre toi. Mais c'est certains comportements qu'on voit avant qu'il devienne ton ami. On ne prend pas n'importe qui ami. Les deux choses là, si quelqu'un n'est pas ça, il n'est pas ton ami. Ah, ton ami, dès qu'il a dit, tu as fait cette erreur, il sera au dehors, il va parler. Est-ce que c'est toi un bon ami? Ce n'est pas un bon ami. Quelqu'un qui couvre tes secrets, mashallah, quand il voit tes défauts aussi, mashallah, il va fermer ça, il ne dit pas quelqu'un. Ça veut dire ça, Ali ibn Abi Talib, il nous dit, inna ahaka al-haqqa man kana ma'aka. Il a dit, ton vrai ami, c'est celui qui est avec toi. Il est avec toi, ça c'est un vrai ami. À cause de ça, moi, à chaque moment, je parle. On ne connaît pas l'ami le moment que tu es dans les voisins. On connaît l'ami, c'est quand il fait chaud. C'est quand la situation va changer.
cara de facile. On dit c'est un chef qui a son policier. Si je dis policier, ce n'est pas policier. À l'époque, les chefs du junior, ils ont leur les gens qu'ils envoient. Un jour, il a envoyé quelqu'un, il dit on n'a qu'à aller l'appeler son envoyé. Son policier, quand même, son garde-corps. Celui qui est parti appeler le monsieur, il est parti trouver garde-corps avec la femme. Il a dit le chef t'appelle. Le gars quoi a dit, va dire le chef que je n'ai pas venu. Moi je n'ai pas le temps. L'envoyé il est tourné, il a dit chef, il dit toi mais tu n'es pas venu. Il faut, toi mais il faut te déplacer. Le chef a dit quoi? Moi-même, vous savez les chefs de l'époque. Ce n'est pas le avant-chef, attention. Chef a dit quoi? Chef a dit, quand tu es parti, elle est avec lui. Il dit, je l'ai trouvé avec la femme. Chef a dit, voilà. Laissez-le d'abord. Un petit temps est passé, chef a dit, bon, il faut retourner maintenant. Si tu l'as trouvé toujours avec la femme, il dit, mais si tu l'as trouvé seul, il faut te dire la paix. Quand le monsieur est retourné, il était seul. Il dit, le chef a dit, je t'appelle. Voilà, il est déplacé, il n'est pas pris ma bouche. En courant! Le chef a dit, je t'ai vu. Avant, il fêtait mon petit, ça a connu la fin. Ton vrai ami, c'est celui qui est avec toi. Il n'a pas de haka, le haka, le man. Et au moment où il est tout, il a dit, ton vrai ami, c'est celui qui va prendre son temps pour réaliser certains ton bonheur. Comme Abba Bakr Siddiq, il a pris son temps pour soutenir notre prophète Mohammed. Le jour que Omar Ibn Khattab, il a eu certaines divergences avec Abba Bakr. Abba Bakr a demandé Omar pardon. Omar est en colère. Il dit je ne te pardonne pas. Après Abba Bakr est déplacé, Omar s'est regretté. Et cherche Abba Bakr. Dès qu'Abba Bakr est quitté devant Omar, il est parti chez le prophète Mohammed. Et il y a Rasulullah. J'ai certains malentendus avec Omar. Je lui ai demandé des excuses. Mais Omar n'a pas fait, mais il m'a dit qu'il ne me pardonne pas. Le prophète a dit à Abba Bakr, Allah t'a déjà pardonné. Il passe à finir, voilà Omar qui vient. Dès que le prophète a vu Omar, il a changé le visage. Jusqu'à le prophète, Abba Bakr a su que le prophète, il veut se lever contre Omar. Et le prophète, il est parti à genoux. Et Abba Bakr est parti à genoux. En train de dire à Rasulallah, ne t'énerve pas avec Omar. C'est moi qui avais tort. C'est moi qui l'a provoqué. Laissez cette affaire. C'est de là que le prophète a dit à Omar. Il a dit à Omar, vous ne devez pas laisser mon ami tranquille. Vous ne devez pas laisser mon ami tranquille. C'est comme ça le prophète a dit à Omar. Vous ne devez pas laisser mon ami tranquille. Et dit à Abba Bakr, c'est mon ami. Abba Bakr m'a cru le moment que les gens m'ont traité menteur. Abba Bakr m'a soutenu le moment que les gens ne m'ont laissé. Abba Bakr m'a donné son argent le moment que les gens m'ont empêché la guerre. Vous ne laissez pas mon ami tranquille. Depuis ces jours, jusqu'à le prophète a dit, la personne n'est plus provoquée à Abba Bakr. Ton vrai ami, c'est celui qui va prendre son temps pour te réaliser ton voyage. Donc, il va voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à son prophète Muhammad. Dans le surat al-Kahf, Allah dit, « Wasbir nafsaka ma'allazina yadu'un rabbahum, bilgadati wal-ashi. » Il dit, toi mon prophète Mohammed, sois endurant, patient, et reste avec ceux-là qui m'adorent 24 heures sur 24 heures. C'est eux qui sont les gens qui seront à ton côté. Bon musulman, ton ami, c'est bon musulman. Voilà, attends à la et ne trouve pas ton regard à l'aise. Qui? Les gens qui aiment les désirs de tout le monde. Allah dit voilà tout tri. Il ne faut pas obéir aussi. Il ne faut pas suivre. Man atfalna kalbahu an zikrina. Celui qu'on a fermé son patrie
contre notre adoration, notre appel. Son poitrine est fermée. Il n'y a pas le temps pour glorifier Allah. La prière, les prêches, zikr, les titres de Coran, non. Allah dit, Al-Falna Kalba wa Zikrina, wa Taba Hawa. Et il est là seulement. Il obéit son passion. Allah dit, Kaina Abruho Foropa. Son travail est devenu vain. Ça n'a rien servi. L'homme comme ça, il ne faut pas lui obéir. Chers frères et amis, notre thème, l'amitié, là où tu vas s'asseoir. Aujourd'hui, les musulmans s'assoient n'importe comment. Il y a un sahabi des prophètes de Mohammed. Il s'appelle Otubata Bon Amel. Ce nom-là, il ne faut pas l'oublier, éclairer ça. Otubata Bon Amel. Les sahaba, car là, les agrés. Aujourd'hui, si on a connu l'islam, c'est grâce à eux. Je vous parle et je vous enseigne et on s'enseigne. Ici, on a qu'à madrasa de Mohammedi. Ici, c'est l'école. Ici, c'est l'université de Sunna. Quand ils sont ici, il ne faut pas laisser quelqu'un va te tromper. N'importe où tu vas aller, tout le monde. Même si la mosquée dépasse cette mosquée la grandeur 20 fois, on a bien décoré. Dès que tu attends quelqu'un, il prêche, il est en train d'insulter les sahabas des prophètes. Il faut dire salam à l'époque. Et tu vas, tu les laisses. Il ne faut pas laisser d'avoir un insulte les sahabas. Si ce n'est pas à cause de. On devait trouver salam là-haut. Aujourd'hui, toi qui dis là, il est là, il est là. Tu n'es pour rien. Grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, sûrement après, c'est eux. C'est eux qui sont déplacés. Le prophète, il s'est arrêté la Mecque et Médine. Maintenant, jusqu'à arriver Soudan, jusqu'à arriver Éthiopie, qui sont déplacés? C'est le Sahaba. Tu vas les insulter. Le prophète a dit la tasoupe à Sahabi. Et tu n'insultes pas mes compagnons. Le prophète a dit, même si vous avez financé l'or, ça remplit en bas jusqu'à en haut. Le prophète a dit, ça n'arrive pas un sacrifice de leur droit. Oh, oh, oh. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, ça n'arrive même pas sacrifice. Il y a un sera qui va faire avec la main comme ça. Toi, tu vas financer l'or qui va remplir le ciel et la terre. Il a dit, mais ainsi un compagnon a donné quelque chose de grandir de ça, mais ça dépasse pour toi. Tu as dit, ils ont trouvé quelque chose, personne n'en a pas ça d'abord. Moi, avec toi, on attend, peut-être on peut rentrer dedans. C'est eux seuls qui ont dit, radiallahu. On les a, Dieu les a aidés. Maintenant, moi et toi, nous, on cherche comment on va faire pour que Allah va nous aider. Tu as vision, on dit, radiallahu, à nous prier, c'est garanti. Mais n'importe qui, tu vois, radiallahu, à nous, on souhaite que ça soit comme ça. Mais Seigneur, malheureusement, on va savoir, tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. Mais pour les sahabas, c'est garanti. Il est venu chez le prophète Mohammed. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit, il y a Rasulallah Manajat. Il y a Rasulallah qui est sauvé. Je veux faire comment pour sauver. Sauver, c'est pas lui. Vous savez, les gens veulent sauver ici. Non, c'est Yom Al-Kiyama. Le prophète a dit, tu veux sauver Yom Al-Kiyama, il a dit. Le prophète a dit c'est trois travaux. Premièrement, il s'est calé et calé ça. Il faut protéger la bouche. Habitez-vous avec l'étude du Coran. Habitez-vous avec Azka. Même si tu marches, il faut lire Coran. Tu marches, il faut faire Azka. Vous m'y laissez aller parler des choses qui ne te concernent pas. Al-Husn al-Mar'i, Al-Husn al-Islam al-Mar'i, tel comment la Yannika. Pour que ton islam soit bon, propre, des choses qui ne te concernent pas, ne rentrent pas dedans. Protéger la langue. Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça. Quelqu'un trouve le paradis à travers de ça. Il peut rentrer l'enfer à travers de ça.
Le prophète a dit Rubama kalimata yento muharratul la yubali laha balen fayahawi bihi ila kahar jahannam sab'ina harifa. Le prophète a dit c'est simple mot que l'on va parler, il ne considère même pas ça. Et ça va lui profondir dans l'affaire. Ce sont 10 ans de marche. Il est en train de rentrer dans l'affaire pour des simples mots qu'il a parlé dans sa bouche. Allah pardonne. Déjà le prophète a dit au Tabatamura, Amen. Waliyasan to kabaytu. Si tu veux sauver ma gamme, il faut que ta maison puisse souffrir. Tu ne vends pas, tu n'achètes pas, tu n'as pas aucun programme de voir. Reste à la maison. C'est quand tu es dehors, tu vois tout, tu pars tout. C'est là qui monte, tu dis elle est grosse. C'est là qui descend, tu dis les ça ils sont grosses. C'est là qui partit, on t'a demandé. Tu as dit, tu vas quitter, arriver à la maison, plein de péchés. Mais si tu étais dans ta maison, tu es sauvé. S'il n'y a pas moyen aussi, tu vas rester au dehors. Il faut baisser ton regard. Recommander du bien, interdire le mal, répondre à salut. C'est comme ça que le prophète a dit, ha ton torek. Et aider quelqu'un qu'on veut l'exister. Troisième, le prophète a dit au Touba, Waboki ala khati atik. Il dit à chaque moment, il faut pleurer de ton sort, ton péché. Vous savez, je dis, les musulmans, ils sont là. Allah pardonne. Tu vas voir quelqu'un qui quitte ma terre, vient s'asseoir. Il dit, tel est comme ça. Tel a fait comme ça. Tel, il était comme ça. Tu as vu l'argent qu'il a gagné là. Sympa. Il est rentré dans les roses, quoi. Il a un grand marabout, il est fermé dans la chambre. Il parle des trucs comme ça. Lui, son travail, c'est regarder les défauts des autres. Là, toi, tu es l'ange. Tu es malaïque, tu n'as pas de péché. Le prophète a dit, laisse le péché détruire, il faut parler de ton sort. Un bon musulman, à chaque moment, il voit que lui avec les autres, ils sont pareils. Il demande à lui pardonner et qu'Allah pardonne les autres aussi. Quand tu as vu musulman, le chaque moment, quand tu vois que tu es supérieur à d'autres, ça c'est dangereux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Hier, j'ai prêché les gens. C'est que ça m'a fait attention. J'ai amené qui ça de 10 personnes. Les gens, ils se sont étonnés. Quand les gens vous avaient bon foi avec Allah, c'est comme ça que ça se passe. Et regarde, dans le Bani Israël, il y a eu 2 personnes. L'autre, lui, c'est un musulman. Et tous les sont des musulmans. Mais l'autre, c'est un musulman pratiquant. Normal. Mais l'autre, c'est un musulman, mais il désobéit à Allah. Il fait des péchés. Celui qui est pratiquant, à chaque moment, il grand celui qui désobéit à Allah. Hé, hey, toi, là, c'est comment? Il faut laisser les péchés. Tu fais comme ça, ce n'est pas bon. À chaque moment, quand il voit l'autre, il lui prend. Un jour, il l'a croisé. Et là, il a dit, toi, je t'ai dit, il faut laisser ton bâtiment. C'est ce que tu fais. Le message dit dans Unima Allah. Laissez-moi avec Allah. Si je fais péché, c'est. Et dit dans Unima, laissez-moi avec Allah. Mon péché, ce n'est pas ton problème. C'est la vérité qu'il a dit. Mais ça fait mal. Tu dis la vérité, quelqu'un te dit ça. Ça fait mal. Oh, que c'est la vérité qu'il a dit. Parce que si quelqu'un fait péché, Fala te dit ou Azira tu wizera, on voit. Quand il a parlé que t'as uniment Allah, laisse-moi avec Allah, ça fait mal celui qui pratique. Et là, il a dit, Wallah, là, il y a le truc Allah. Et dit, toi, là, c'est fini, Allah ne te pardonne pas. Si tu es mort, tu vas partir l'enfer. Voilà les mots qu'il a parlé. C'est fini. Tout le monde, ils se sont partis. L'autre a pris ça, l'autre est parti, l'autre est parti. Tous ils sont morts, ils se sont trouvés devant Allah. Ça, c'est le prophète qui nous dit. Ils arrivent chez Allah, voilà un musulman pratiquant. Masha Allah. Le guide dans la bouche. Pantalon là. Masha Allah. L'autre aussi c'est un musulman, mais il fait la colérique. Je viens de vous parler. Et ils se sont retrouvés devant Allah. C'est de là qu'Allah a demandé pratiquant là, pourquoi tu prends ma place? Tu prends ma place pour moi. Ouais. Tu dis lui là que je ne lis pardon pas. Depuis moi avec toi, on a pris contact que je ne vais pas lire. Pardonner, dis-moi.
jusqu'à ce que tu lui as dit que je vais les amener l'enfer. Je t'ai dit ça. Donc, avec mon miséricorde, celui qui fait le péché, toi, je te pardonne, pas le paradis. Toi qui proclames que c'est toi qui es meilleur là, va l'enfer. Il faut plaider de ton sort. Cela n'est pas dit quand tu vois quelqu'un faire, il ne faut pas lui parler, il faut lui parler. Mais ça, son affaire est dans la main de qui? Dédicte à l'âme lui pardon, parce que ce n'est pas ton domaine. Il va rentrer par là où l'affaire, ce n'est pas ton domaine. Ça, tout ça, là, c'est les domaines privés de qui? Quand tu rentres dedans, tu vas faire grosse erreur. Ça veut dire que le prophète a dit au toi ton âme. Il a dit oh, que Allah a été. Chaque moment, il faut prier de ton sort. Allah dit, il y a certains parmi nous aussi. Certains, nous tous les. Si on t'a montré photo, ou soit tes images, ou soit tes vidéos de quelqu'un 20 ans qui est passé, tu vas pleurer. Dans l'inconnu que tu étais hier, aujourd'hui Allah t'a orienté. Aujourd'hui Allah t'a guidé. Aujourd'hui, Allah t'a lavé. Aujourd'hui, Allah t'a orienté. Formez-y Allah. Ça, c'est le travail de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut pleurer de ton sort. C'est ça qui fait sauver l'homme. Les bons amis, c'est ça qui aide. Chers frères, ne marchez pas avec ceux qui sont mauvais, n'importe qui. Ne prenez pas les mauvais gens comme des amis. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et monsieur,